qualification qui va débuter à Ottawa. Déplaçons-nous maintenant à Longueuil. Nouvelle de dernière heure avec le collègue Yves Poirier. Deux personnes ont été retrouvées sans vie. Oui, on parle de morts suspectes. Deux femmes, une dans la soixantaine et l'autre un peu plus âgée, une octogénaire. Je suis avec Olivier, caméraman, pour cette histoire en développement. On est sur le boulevard Desormeaux, près de la rue Chambly. Mon caméraman Julie vous montre là-bas. Vous voyez, là, au deuxième étage de l'immeuble, il y a une porte un peu entrouverte. Mais c'est là, effectivement, que la découverte de ces femmes s'est faite un peu vers, je dirais, en avant-midi, là, vers 11h30, parce qu'il y a eu d'abord cet appel 911 concernant deux personnes trouvées inconscientes. Et quand les policiers sont entrés tantôt sur le boulevard Desormeaux, à cette adresse, au 251. Ils ont constaté sur les lieux, Julie, le décès des deux femmes. Je le rappelle, donc deux victimes, l'une âgée dans la soixantaine, l'autre est une octogénaire. Considérées au moment où on se parle comme des morts suspectes, là, il y a un large périmètre de sécurité qui est en place. Mon collègue Olivier peut vous montrer de l'autre côté de la rue ce qui se passe parce que les policiers de l'agglomération de Longueuil viennent de déployer le poste de commandement. J'ignore par ailleurs la raison pour laquelle les pompiers sont ici, mais peut-être qu'ils ont agi tantôt comme premier répondant. Puis il y a une autre information, bien, il y a une troisième personne, Julie, qui a été transportée à l'hôpital pour choc nerveux. Bon, ça peut vous paraître assez nébuleux comme information, un peu préliminaire, mais ce sont les informations que l'on a pour l'instant. Les policiers parlent de mort suspecte et non d'homicide, là, soyons précis pour l'instant. Le porte-parole de la police de l'agglomération de Longueuil vient tout juste d'arriver et je vous dirais, Julie, probablement dans une dizaine ou une quinzaine de minutes, on va faire le point avec la police qui est en train, le porte-parole est en train justement de collecter des informations auprès des enquêteurs. Et je vous reviens dans les prochaines minutes avec de nouveaux éléments d'information en lien avec cet événement ici du côté du boulevard Desormeaux à Longueuil. Merci beaucoup, Yves. À tantôt.